Yo les petits potes, je me suis créé une petite classe XRK Stalker qui one shot parce que en effet ce sniper depuis la mise à jour hier one shot. Et quand on regarde la classe que j'ai créée, elle ressemble à rien, elle est plus courte que ma SMG, mais elle one shot, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, moi je mets le canon silencieux XRK Stoic 4 parce que je trouve que il a pas mal d'avantages et peu d'inconvénients. Portée des dégâts, vitesse des balles. Vous regardez les autres canons, il n'y a que lui qui à la rigueur se discute, mais franchement, je trouve qu'il y a plus d'avantages à mettre le canon silencieux. Je déploie un drone explosif. Ensuite, moi je trouve que le meilleur laser c'est le laser SL Razor Hawk parce que c'est le meilleur bénéfice en termes de vitesse de visée et de vitesse de transition du sprint au tir. Ennemi déployé dans la zone, surveillez le ciel. Pour la lunette, franchement, après l'avoir utilisé plein de fois sur le FGX Imperium, pardon, je l'utilise également sur ce snipe. Elle me convient très bien, la lunette DXS Coriolis V4. Ensuite, on a l'occasion d'avoir un max de mobilité avec l'accessoire pas de crosse. Et quand on regarde en plus, franchement, les inconvénients, c'est bon, on recule, effet de recul, mais bon, sur un snipe, on s'en fout un peu puisque c'est une balle. Donc honnêtement, en termes de mobilité, vous allez gagner énormément avec cet accessoire. Enfin, le sniper XRK Stalker est en effet one shot, mais pour cela, il faut tout de même mettre quand même les munitions explosives Cal.50. J'ai essayé sans, j'arrivais pas à faire des one shots. Donc après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, on est obligé de mettre ces munitions pour que ce soit one shot. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le petit gameplay et la petite classe setup, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.